Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de U4 avec la France où on est en guerre contre, alors à l'origine contre Bad et contre tous ses alliés, donc c'est un peu la merde. Alors ici, le Brabant, il a peut-être envie de lâcher l'affaire. Non mais il lâche pas. Il lâche pas, mais il commence à se poser la question quand même. Bon, ça veut dire qu'il est un peu trop emmerdé quand même. Là, on n'est pas en guerre contre lui. On va quand même garder, essayer de garder des hommes dans le coin. Le problème étant qu'on vient de perdre 20 000 hommes bêtement ici. Et d'ailleurs, vu qu'on vient de perdre bêtement 20 000 hommes. Voilà. On va refaire 20 000 hommes. Ce qui va nous coûter cher en manpower, mais tant pis. Il faut que le siège de Rome tombe vite. Ce serait super. Ouais, non, mais toi, t'as rien à foutre là, mon gars. Bah, vas-y, reste, tu vas te faire massacrer de toute façon. Voilà, merci, au revoir. Allez, siège de Rome. Oui. Ouh. Fin du siège de Rome. Alors ça, c'est une bonne chose. On va direct marcher là. Là, ça se passe bien. Là, ça va pas tarder à tomber. Alors là, toi, tu vas là, ici. Fermé. Voilà. 20 000 hommes pour en détruire 1000, ça devrait être suffisant quand même. Il va y réussir à mourir quand même. Voilà. Merci. C'est juste histoire de faire une attaque sournoise. Voilà, on a une autre attaque sournoise ici. Allez. Ouf, on leur a échappé. Bon, ici c'est bon. C'est 78% et ça tombe pas. Allez, on va soutenir le siège là-haut, ça va peut-être finir par tomber un peu plus vite. Est-ce qu'il y en aurait qui seraient d'accord pour lâcher l'affaire? Genre Brême. Même une paix blanche, ça t'intéresse pas, ok. En fait, je pense qu'il n'y a personne qui est intéressé. Bah, une paix blanche, il accepte, mais le reste, il accepte pas, forcément. Enfin, à sa place, je ferais pareil. Bon, 78%, il va tomber le siège de l'Alsace, là. Non, même pas. Mais sérieux, 92%. Et là, ils sont partis faire la guerre au Brandebourg. Du coup, ils nous laissent un peu le champ libre ici. Ah, ils ont massacré leurs propres rebelles, c'est bien. Alors, je crois que c'est les hommes qui ont massacré leurs rebelles. Par mes alliés, moi. Ah, on a remplacé, remporté le siège de l'Alsace quand même. C'est presque un miracle. On va venir chercher 20 000 hommes ici. Vous allez venir là. Parce qu'on va s'occuper hein, quand même un peu de ces débiles là. Là
Ah, il y a quand même 22 000 hommes. Hein. Bon. Donc là, le travail commence à se faire. J'ai envie de te dire. Si toi on veut te faire lâcher l'affaire, il va falloir venir attaquer. Continue sur les états pontificaux. Voilà. Gain de 1 de stab, mais bien sûr. Bien sûr que je préfère gagner 1 de stab plutôt que de perdre 700. Alors. Alors toi tu vas marcher direct là. Donc vous, on embarque. Toi. Je sais pas, viens ici par exemple. On va aller calmer les révoltes dans le coin. Ah, ça va finir par tomber là, ça y est. Alors ici, où est-ce qu'on peut aller après? On va venir ici. Ultrek, il n'est pas dans la guerre, non. Comme ça tombera déjà lui. Trêve, je pense qu'il ira voir ailleurs. Mes revendications sur lui là, c'est qui? C'est Romagne. Si je peux prendre juste ça déjà chez lui, ce serait une bonne chose. Là, je pense pas qu'il voudra quoi que ce soit. Diplomatie. Non, il voudra pas. Oh, déjà Ferrari, ça me coûterait 90. Si cher que ça, Ferrari. 73 à légitimer. Ah d'accord. Oh purée. L'Italie, ça va coûter une blinde. À légitimer, c'est dingue. Où est-ce que je me suis fait attaquer là encore? J'ai vu que mes bateaux se sont fait attaquer. Ah d'accord. Ah oui, j'ai perdu toutes mes troupes. Ok. Va remonter à 12. Voilà. C'est super, j'aime bien ça. Bon bah fait Ongzazu, il ira faire le taf alors. On verra ça plus tard sinon. Pourquoi? Bon l'Espagne commence vraiment à me les briser menu. Mais on a un mariage royal avec eux. Dites-moi qu'on a un mariage royal avec eux encore. On a encore un mariage royal avec eux. Mais on n'a plus d'alliance. Bon. On a fini par emporter le siège de je sais pas quoi là. Du truc là-haut. Alors le Brabant. Tu me donnes ça? Oui, tu me donnes ça? Oui, oh! Tu me donnes ça? Non. Que je prenne du blé, tout le monde s'en fout en fait. Oh, bah en fait.
après tu vas bientôt vouloir me donner tout ça. Donc c'est très bien, donc on va attendre. Ça on va laisser prendre en douceur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin à aller chercher? Ça, Brême, Hambourg, Brême. Voilà. Allez, allez. Ça va bien de finir par réussir à prendre tout ça, non? On peut même monter là. Bon, bah. Écoute, il va peut-être vouloir plus rapidement comme ça. Ouais, moins 64, c'est pas la peine. Hop. La Hongrie a fait la paix. Donc si l'Hongrie a fait la paix, c'est le moment de faire la paix aussi de notre côté avec des gens. Voilà. Voilà. Non, bah, je te le laisse. Envoyez la demande. En plus, comme ça, personne ne me déteste parce que je fais ça. Et tu me donnes du fric. Alors. Qui est encore en guerre avec moi? De mon côté. Brandebourg. Ok. Donc Brandebourg est encore de mon côté. Brabant. Ah bah on va attendre 2 jours. Est-ce que t'as fini par changer d'avis? Oui. Est-ce que tu me donnes des réparations de guerre aussi? Non. Mais tu vas y venir aussi comme les autres. Donc c'est bon. Donc on va attendre un peu. Alors les états pontificaux, ça va pas tomber. Non, ça va vraiment pas tomber en plus. Hein. Ici ça m'embête un peu de partir avec 20 000 hommes là-haut. Il va falloir garder à l'œil de manière très intensive, dirons-nous. Parce que je pense que toi tu vas pas vouloir faire la paix. Non, voilà. Donc j'aurais pas pris ta capitale, tu voudrais pas faire la paix. Ce qui se comprend, hein. Ta place, j'en ferai autant. Et 2 étoiles ici, 2 étoiles là. Et ça tombe pas. Et ailleurs où il y a des gens, hein. Hop, 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 hop. On a légitimé les choses. Viens toi plutôt que de venir te mettre là. Toi tu vas où? Hanovre. Ah tu n'as pas encore mouvement de bloqué. On va attendre. Voilà. Ça va te massacrer 4000 hommes gentiment. En tout bien tout honneur bien sûr. Hein. Ça n'a rien de personnel. Quoique. Tiens un petit peu quand même. Voilà, merci. Quoi? T'es sérieux? Je suis un siège à moins 92. Et ça tombe pas. Il n'est pas assez nombreux pour faire le siège là. Ok, où est-ce que ça pète? Oula, d'accord. Bon alors, c'est peut-être le moment de faire la paix avec Brabant. Voilà, en plus il accepte, les réparations de guerre aussi.
On va laisser s'énerver avec ses... Ah non, ils vont être chez moi. Ah, tu vas abandonner le trek. Voilà, je te prends que ça. Parce que là, ah non, je revendique les deux, moi, je crois. Oui, je revendique les deux. Donc là, on va prendre les deux. Envoyer la demande. Voilà. T'es moins 92, moins 92. Vous êtes sérieux les gars? Ah ici on a 0. C'est bien, ça améliore. C'est 78 là. Et ça tombe pas. Ah c'est bon. On a le siège de Zurich. On a remporté le siège de Zurich. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il était peut-être temps. Et t'essayes de faire quoi là toi avec tes 1000 bonhommes en mode complètement défait là? Alors qui est encore en guerre contre moi? Bah plus grand monde hein. Je suis même persuadé que... Non toi tu veux pas la peine, peut-être que ton copain il va la vouloir. Non, même pas une plaie blanche. Allez, bah écoute. Ça se masse. Pardon. Ça se massacre joyeusement dans le coin. Bon là, ça sert à rien en fait, s'il vous plaît. On va aller s'occuper de ça avant que ça fasse trop chier. D'accord, d'accord. C'est bon, ça va finir par céder ça. Là-bas, ça se passe comment là? Zazo, t'as décidé à venir t'occuper un peu de la rebelle ou pas? On dirait que oui. C'est un bon début. Ouf. Ah, on peut pas les intercepter. Oh, c'est triste. Je suis très triste. Allez. Ah oui, on peut-être commencer à légitimer certaines choses. Ah ben ça commence à... Ah ben en plus les murs sont tombés, donc c'est bien. Alors là c'est en train de décider ça. À l'arrière on s'en fout un peu. Franchement si ça les amuse de décider ça, libre à eux. What? Non, non, bah reste là. Le temps de descendre. Hein. T'auras sûrement reconstitué tes forces. Hein. Non, ils vont se faire intercepter par qui je ne sais pas. Non, ils interceptent pas. Les Anglais qui essayent de débarquer ici. Sans grand succès apparemment. Ouais, mais les états pontificaux, faut que ça tombe ça. C'est sympa quoi.
comme ça, ça serait bien que ça finisse par tomber. Prestige plus 4. Hein. Fin du siège de Ferrari. Ah ben voilà. Et bien pas trop tôt. Allez, maintenant on prend ça. Tu n'en parles plus. Il faudra prendre ça. Ça à la rigueur, mais si on prend pas. Mon tout a fini par tomber. Véron est tombé. Voilà. Donc autant dire les étapes pontifico ils sont défaits. Ah, ils veulent pas me donner tout ça. Par contre là il y a du monde qui fait la gueule. Ah, ça commence à faire beaucoup quand même. Si je prends pas Ferrari, tout le monde s'en fout. Et si je prends pas ça, vous faites pas la gueule les gens? C'est juste de prendre un truc, ça les fait chier quoi. Bon. Je sens qu'on va se taper une petite coalition sur le dos dans pas longtemps. Ce que vous en pensez, mais je le sens. On va voir ce qu'on fait après. On va voir ce qu'on fait même demain. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On va finir le siège là, puis on réglera tout ça en même temps. Allez, bonne journée à tous et à demain pour la suite. Salut tout le monde.